Bonjour les amours, et eh ben vous avez vu, c'est terminé les vacances. Alors là, on va aller dans la boutique de mes enfants. Vous avez vu, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de luminaires. Puis ce qui est bien, c'est que quand même on te voit dans le miroir, chérie. Alors c'est des luminaires de Carlo Nazon. Et vous vous souvenez du Scrabble que j'avais acheté? Eh ben il est là. Et il faut que vous compreniez qu'en fait ce Scrabble, il est formidable parce qu'il est de chez Hermès. Peut-être que j'enlève mes lunettes, comme ça on parle. Et Hermès, ils ont tendance à faire beaucoup de jeux, des jeux de tarot, des jeux de cartes, je ne sais pas si vous en souvenez. Et là, c'est incroyable parce que la maison Hermès, en 1981, s'est faite interdire par Mattel. Ils ont eu un procès parce qu'ils n'avaient absolument pas le droit de faire un Scrabble. Ça veut dire qu'il est unique. Et ce Scrabble, je vais jouer avec toi maintenant et on va voir si on le garde ou pas parce qu'il est magnifique, il est complet. Et je l'ai acheté, mes enfants m'ont obligé à le mettre en boutique, mais je ne suis pas certaine de le vendre. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes encore en vacances. Nous, ça y est, les puces, c'est reparti. Les boutiques au marché Biron sont ouvertes. On va regarder un petit peu. On a toujours notre faux plan, vous avez vu. Ça, c'est Alexis qui l'a acheté, on est bien d'accord. Alors, si vous avez une grande cuisine et que vous aimez les œufs, n'hésitez pas à le contacter parce qu'un œuf géant dans son salon, franchement, il faut être un peu habité comme mon fils pour ça. En tout cas, je vous aime. Passez un excellent dimanche.